Alors, laissez-vous fêter, mes chères, chères filles de la sagesse et les autres. Laissez-vous fêter, vous êtes plus que bienvenus aujourd'hui. Alors, il faut rendre grâce aux femmes qui servent, hein, qui nous accueillent, qui font le service à Saint-Côme. Nous fêtons en reconnaissance pour ces personnes-là. Ce matin, j'ai regardé la parole de Dieu. Puis je me suis dit, la parole de Dieu, elle est vivante aujourd'hui. Qu'est-ce que me dit la fête de l'Assomption? Imaginez-vous quand on a dit qu'une pauvre créature, moindre que la cour céleste des anges, des archanges, des chérubins et tous les autres, on est beaucoup moins qu'eux autres, à leurs yeux, voyons, hein, qu'une femme, en plus, serait au ciel avec son corps. Amour pour l'amour, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Demandons à cette belle femme de nous ouvrir chacune le cœur pour qu'on accueille les changements de nos vies qui s'appellent toutes sortes de choses, vous le savez mieux que moi, quand on commence à marcher avec des cannes ou qu'on voit moins bien, on entend moins bien. Ce sont des deuils, mais il y a de l'espérance, il n'y a pas une souffrance qui ne nous donne pas plus de vie. Apprenons ensemble à célébrer ce Dieu de l'espérance qui nous accueille puis qui nous invite à communier avec toute l'Église aujourd'hui, avec notre président. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette belle femme qui a nom Marie. Bonne célébration. Et aussi les 49 ans donc, de service et d'accueil ici à Ville-la-Sagesse, qui vont prendre une autre forme à partir de l'an prochain. Au début de notre célébration, Jocelyne évoquait Lucifer, des puissances du mal négatives. Seigneur, prends pitié, nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise avec Marie jusque dans la vie. Amen. Et d'un même cœur, nous chantons la gloire de Dieu. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Chargé de présents, qu'éteront ton sourire. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la joie de ton Fils. Premier point sur la fête de l'Assomption et le deuxième point sur, mettons, Ville-la-Sagesse. Alors, premier point, la fête de l'Assomption. Et donc, inévitablement, ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est que Marie rentre dans l'amour le plus amour. Moi, j'arrive de mon petit camp, je m'en viens pour déjeuner. Et là, il y a une petite brouette. Ça, c'est celle qui part. Ou celles qui arrivent. Évidemment, celles qui arrivent, on les voit arriver avec leur bagage. Mais on les voit, on ne sait pas avec quoi ils partent. Alors, je demandais à Michel d'apporter la petite brouette. Et puis, on va essayer de voir. Ils ont leur valise pleine de repos et de paix. T'sais. Ils en ont pour un an. Ils ont fait une provision de repos et de paix. Hein. Oh, ça, c'est bien important. Je pense que c'est ça qui prend le plus de paix.
Qu'est-ce qu'il y a à part de ça? Bon, qu'est-ce qu'il y a à part de ça? De sortir de la boîte. Ça, on prend ça. La queue. Oui, la queue. La queue. La queue. C'est fini. Alors là, c'est la queue. De... C'est ça. Des fois, il n'y a pas de soleil à 5 ans. Mais il y a toujours de la queue. Ça, là. Puis ça, ça fait du bien. Puis on a besoin. Puis notre monde en manque. Troisième affaire. Bon, je vais demander à Claudette de le... Il est bilingue. Il est à la base. Non, il est avec le Sans jamais le Seigneur dans ses bienfaits. Bénissons à jamais le Seigneur dans ses bienfaits. Comme dit, nous et le tablier. Le tablier, c'est on voit, qu'est-ce qu'on voit, l'image. Ah oui, c'est ça. Oui, déjà. À jamais le Seigneur dans ses bienfaits. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'audace de Marie, annonçant le renversement des riches et des puissants, loué sois-tu, Seigneur. Que les exploités de notre terre trouvent leur victoire dans la justice et le partage. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour bien remplir nos jours, qu'il nous reste de vie. Il s'est penché sur son œil.